Bonjour des collègues, et notre ami Ferrati. Monsieur Roger de Virginie, bonjour, à Mariotte. Lorsque j'étais sollicité par Richard Bus pour me rendre à cette réunion, j'ai bien sûr accepté. Nous traversons des périodes effectivement très difficiles. Bastia a été très impactée, c'est vrai que le quartier surtout donne des dégâts des pertes, mais d'autres secteurs aussi. Et donc, ce type de solidarité est important. C'est important parce que je suis accompagné de l'élu en charge du CCRS, qui font un travail extraordinaire sur le terrain, qui sont capables de catégoriser vraiment les personnes qui sont en urgence, qui ont besoin de ce soutien. Et je crois que plus qu'une aide aussi financière qui est importante, c'est cette solidarité qui vient aussi d'une entreprise privée est aussi importante. Bien sûr, les collectivités, l'État, sont dans leur rôle. Ont été les premiers à réagir, mais le fait d'avoir aussi ces partenaires privés qui ont été sur le terrain en urgence, qui aujourd'hui aussi apportent leur soutien, c'est à la fois important sur le plan du soutien financier, certes, mais c'est important aussi pour montrer que cette solidarité, elle est globale. Et comme je le dis toujours, nous sommes un pays solidaire en Guadeloupe, nous savons l'être lorsqu'il y a une situation de crise. Ce qu'il faudrait dans l'avenir, c'est que nous le soyons au long cours et non pas juste au moment où il y a une crise. En tout cas, merci au nom de la ville de Basse-Terre. De cette aide que vous apportez qui sera, je vous le confirme, bien utilisée.